t'as déjà acheté quoi que ce soit sur ce site, t'es sérieusement dans la merde. Il vient de se passer une énorme dinguerie. Ça me fait pas rire du tout. Si t'es un gros magouilleur qui s'intéresse à la sape et aux sneakers, tu connais forcément Panda Boy. Voire t'as même peut-être déjà acheté des bails via cette plateforme. Eh bah, force à toi mon ref. Appelle ta banque maintenant et fais changer ta carte de crédit. Vraiment. Il y a une semaine, le site a subi une attaque par des hackers et les données de millions d'utilisateurs ont été piratées. Alors apparemment, le site rassure et dit qu'il s'agit uniquement de vols de données basiques entre gros guillemets, comme l'adresse, les mails, etc. et pas les coordonnées bancaires. Effectivement, pour l'instant, c'est les seules données qui ont été leakées par les hackers sur un forum, et il y a déjà des milliers d'utilisateurs de Panda Boy qui se plaignent de recevoir des spams et des tentatives de scam par mail ou téléphone. Mais dans le doute, je ferai quand même gaffe à ma carte de crédit à votre place. On vous le rappelle, StockX avait aussi subi le même genre d'attaque en 2019, donc que vous soyez du FC Fake ou non, les hackers vont pas vous lâcher.